très gros pouce. Putain, je la loupe. La loose. Ah, la loose. Ouais, je l'ai. Yes, oh, c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ah, ça fait plaisir. Alors, on va essayer de se la tirer un peu là. Oh, elle est belle, elle est zébrée en plus, magnifique. Belle truite. Très belle truite encore. Magnifique. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, des poissons comme ça. Ça y est, elles sont actives. Ouh, ça fait plaisir. Oh la vache. Très gros fiche. Ah là 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 là, putain, je vais la perdre. Oh la vache. Oh, elle est magnifique. Faut que je la drop. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je l'ai. C'est moche. C'est très moche. C'est très très moche. Mais putain. Purée, pardon. Oh, le fiche d'exception. Une bête de coin là, juste après au-dessus. Oh là là, c'est magique. C'est magique. Poisson. Ouais, joli. Superbe. Ouf. Ouf. Pas mal, pas mal. La river, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Ça, c'est un beau coin, ça. Ça se laisse pas faire. Hein. Se rester tendu. Ouais, superbe. Beau fiche. Très beau fiche. Waouh, les points. Magnifique. 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 Regardez les points. Dose. Alors lâché. Magnifique. Je vais faire là, très simple. Hein.
On va monter un petit peu le Rigoletto parce que je sens que je suis pas très très bien là. Je suis pas très très bien, faut que je maîtrise ma dérive. Hein. C'est important. Si tu vois pas à quelle profondeur tu es en dérivant, ça va pas aller. Allez. La dérive elle est pas bonne là pour le moment. Ça fait rien, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Bon, bah ça y est, l'excursion finie. Écoutez, je pense que vous avez kiffé autant que moi. Je pense que la surprise était de taille. Et je peux vous dire que ça envoyait en 12 centièmes en plus. C'est un vrai bonheur. J'ai pas mon record d'un centimètre. Alors les records, ouais, c'est secondaire. Hein. On s'en fout un peu, mais c'est vrai qu'elle était tellement énorme que ça me fait du bien d'en faire une aussi grosse. Et en plus de ça, c'est la première fois que je teste la Cantoc de chez Caperlan, la Riverway T500, qui m'a vraiment plu. Et honnêtement, si je l'avais pas eu, je pense qu'avec la Sampé, j'aurais vraiment galéré à la sortir. C'est une canne qui est moins souple que la Sampé, un peu plus costaud, un peu plus lourde aussi. Donc sur des sessions un peu longues comme ça, c'est limite, c'est vraiment limite, mais c'est une canne qui se manie vachement bien. Qui se manie vachement bien, elle reste légère, hein. C'est vraiment parce que je la compare à la mienne.
Et donc je suis assez agréablement surpris parce que c'est un prix qui est largement abordable en plus. Donc non, c'était j'ai apprécié pêcher avec. Et le cadre était juste incroyable. Les truites assez timides au début parce qu'il faisait très froid le matin. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à me regarder. Abonnez-vous, likez. Voilà, plus on est, mieux ce sera. Moi, ça me fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Il va y avoir des grosses vidéos qui vont arriver derrière. Je vous en dis pas plus. J'ai une grosse session avec une personne que pas mal de monde connaît. Et ça va envoyer. Donc, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao!